Bonjour tout le monde, c'est Mélie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus spéciale. Vous voyez que je ne suis pas assise comme d'habitude, etc. Je voulais changer un petit peu, là c'est, je suis en train d'allaiter, tout ça, donc j'avais pas trop envie de d'installer le trépied, etc. Enfin bref. Je voulais juste prendre la caméra et vous parler. Oui, on a déjà mis le sapin. On n'a pas mis les décorations, mais je vous vois, je vous vois. Vous êtes en train de vous dire, mais il y a un sapin derrière. Oui, c'est tout à fait exact. On n'a juste pas encore décoré, mais il est là. Bref, je voulais vous parler aujourd'hui d'une histoire qui m'a particulièrement touchée, que j'ai vue sur Facebook. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, hein. Mais en fait, c'est un petit garçon de 9 ans, un Américain, qui est atteint d'un cancer incurable et qui du coup va passer apparemment son dernier Noël et qui demandait que les enfants du monde entier lui envoient des cartes de vœux. Et j'ai trouvé ça super mignon et bah, hyper touchant. Enfin, de toute façon, tout ce qui touche les enfants, les bébés, moi, ça me va à chaque fois droit au cœur. Parce que bah, je me remets plus que me mettre à leur place, je me mets surtout à la place de la mère. Bref. Et du coup, j'ai décidé d'y participer avec mes enfants. Et donc, pareil, comme je vous disais, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous souhaitez faire la même chose. Et bah, cette vidéo, c'est pour vous montrer du coup une petite carte de Noël que j'ai faite pour ce garçon qui s'appelle Jacob. Et voilà, celle de mes enfants. Beaucoup d'entre vous m'ont vraiment boosté, m'ont motivé pour que je partage avec vous des créations, ce que je pouvais faire, tout ça. Et du coup, bah, ça m'a vraiment énormément touchée, ça aussi. Et je me suis dit, bah oui, bon, allons-y. Elles sont vraiment trop mignonnes à m'encourager comme ça. Je veux pas les décevoir et ne rien faire du tout. Surtout que j'aime ça, mais c'est surtout que voilà, j'étais impressionnée par vos créations. Donc c'est une carte toute simple, hein. C'était histoire de dire, moi je la trouve mignonne. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas vraiment le but de la vidéo. Enfin, je vous montre comment faire entre guillemets, mais. C'était vraiment pas, voilà, pour parler de cette histoire et vous encourager à le faire également. Surtout vous, avec vos magnifiques créations, bah, ce serait super de lui envoyer vos magnifiques cartes. Donc, bah, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à la liker pour qu'elle soit le plus vue possible, pour qu'il puisse recevoir le plus de cartes possible, évidemment. Hein, c'est dans ce but-là. Je suis en train de faire la promo de ma chaîne, là. Hein, vous avez bien compris quand même que c'est pour ce petit garçon que, voilà. Qu'il puisse recevoir plein d'amour à Noël. Et je sais qu'il n'est pas absolument pas le seul dans cette situation, mais voilà, c'est lui qui a demandé de recevoir des cartes de vœux d'enfants du monde entier. J'ai vraiment trouvé ça super mignon. Voilà, je vais m'arrêter là avant que j'explose. Moi, dis donc, les hormones, ça n'a peut-être pas encore baissé, hein, vu le. Ça monte rapidement aux yeux. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo si ça vous intéresse. Et je vous fais de très très gros bisous. Merci beaucoup pour vos commentaires, etc. Ça me touche beaucoup. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, on est ici pour faire ma version de la carte de Noël. Donc, j'ai utilisé des papiers de ces blocs-là que j'avais achetés chez Action. Je vous les montre rapidement comme ça, juste la couverture. Je vous avais fait un haul Action d'ailleurs où je vous les présentais. Donc voilà, j'ai choisi ce papier-là comme fond de carte. Et j'ai pris trois autres coloris pour faire des petits sapins de ce type. J'ai fait un essai avant pour voir si j'y arrivais. Voilà, donc c'est évidemment très simple, mais c'est à mon niveau, hein, voilà. Du coup, je vais faire la même chose des petits sapins avec ces deux coloris-là. Et je vous montre comment j'ai fait. Donc, déjà, j'ai calculé combien de papier je voulais pour faire mon petit sapin. Donc, du coup, moi, j'ai calculé que je voulais 7 cm.
Et ensuite, je regarde par rapport à la carte combien je veux de papier. À chaque fois, je mettais 2 cm entre les bouts de carte. Ensuite, je trace, je vois le milieu. Je voulais vraiment faire quelque chose de coloré, donc c'est pour ça que j'ai mis plein de couleurs. J'espère qu'elles iront ensemble, on verra bien. Et ensuite, je prends ceci que j'ai pris chez Action également. Est-ce que je vais trouver? Voilà, j'avais pris ça chez Action. Très pratique. Et je vais en coller sur le dos de mon petit sapin. Alors, par contre, je sais pas trop, est-ce que je décale bien comme ça ou je fais quelque chose comme ça. Bon, allez, on va faire comme une petite forêt, hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et je fais la même chose avec cette feuille-là. Ah oui, désolée, je suis en train de me dire que là, il y a le gros bruit de la machine à laver. Je viens de tilter, désolée. C'est que moi, évidemment, je suis tellement habituée au bruit que je n'entends même plus. Donc, je vais fermer la porte, j'arrive. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est toujours dans le but de rajouter un petit peu de couleur, de joie. J'ai mis ces petits rubans-là que j'ai pris également chez Action, pour vous surprendre. Hop, pour faire les troncs du sapin. Donc pareil, après j'ai mis du scotch double face pour que ça colle. Et je fais mes petits troncs comme ça. J'ai des petites strass. Est-ce que je le mets sur la carte ou pas? Est-ce que je les mets en mode étoile ou en mode boule de Noël? C'est là que j'aurais bien aimé que vous soyez là avec moi pour me dire ce que vous en pensiez. Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Sur les sapins, j'ai l'impression que ça va faire un peu too much. Je vais essayer peut-être de mettre en mode étoile. On va voir ce que ça donne. On essaye. On essaye. On voit. Si c'est moche, eh ben, ce sera moche. On voit. Je mets donc là complètement au hasard. Je ne vais pas forcément mettre beaucoup parce que je ne voudrais pas surcharger non plus la carte. Mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de joli pour ce petit gars. Son histoire m'a vraiment touchée. Comme tous ceux qui vivent ce genre de choses. Hein. Et après, je m'arrête. C'est comme dans le make-up. À chaque fois, je commence, je fais « Oh, je vais faire un truc simple aujourd'hui, un petit truc rapide. » Et je finis avec un cut crease ou un smokey eye. C'est tout, moi! Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, je pense que là, on est pas mal. Ça fait joli. Et du coup, je marquerai derrière « Merry Christmas » et le petit mot que je veux lui faire. Mais je vais pas le mettre sur la carte parce que là, pour le coup, j'aurais peur que ça rentre pas. Hein. Là, c'est déjà bien chargé. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous avez été nombreuses là, à me booster, à me dire « Si, vas-y, fais des petites cartes, fais des créations, commence. » Ça m'a vraiment motivée. J'ai trouvé ça vraiment adorable de votre part. Vous reconnaîtrez là ceux qui m'ont dit plusieurs fois « Mais si, vas-y, lance-toi. » Merci beaucoup, hein, c'est super sympa. Puis là, cette opportunité-là, bah, du coup, m'a donné la motivation d'essayer de faire quelque chose de joli. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous en tout cas. À la prochaine fois.